Coucou, ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas fait de commande Temu. Voilà, donc Noël approche, les envies créatives sont là. Même si j'ai plein de choses, même si Action a fait des super choses dans les petits carnets et tout cette année, j'avais quand même envie d'avoir des beaux papiers. J'en avais déjà un d'avant, mais voilà quoi, voilà. Donc, je vais vous présenter plein de papiers. Alors, si vous aimez pas les papiers, c'est pas une vidéo pour vous. Avant, j'ai des petites bricoles comme ça. Alors, il y a des choses que j'ai pris, des coups de cœur et des choses pour tester. Voilà. Donc là, c'est des petits papiers. Vous voyez, ça fait presque comme des pochoirs, mais je me dis, par exemple, ça pour mettre sur une carte ACC, c'est nickel, quoi. Voyez. Donc c'est de la dentelle et de la dentelle et de la dentelle et voilà. Voilà, j'ai trouvé ça, en plus les couleurs elles sont sympas. Donc je me suis laissée tenter par ça. Mais en fait, Temu, faut pas y aller. Hein. Faut pas y aller, on craque direct. Ça, je me souviens plus, ça doit être des stickers hein, vu la pochette. Mais oh ah oui. Alors c'est des jolis stickers de Noël. Hop. C'est cool. Ah, c'est un bureau. Ok. Ah, oh, ça c'est chouette avec les vêtements. Ben, oh là là, elles sont en écossais. Ben, c'est pour ça que j'ai pris. Hein. Écossais rouge, écossais vert. Oh, le magazine là, il est sympa. Vraiment sympa cette série. Oh, la carte bleue, c'est sûr qu'elle chauffe au moment de Noël. Oh, c'est beau ça. Au moment de Noël, c'est sûr qu'elle chauffe. Ah, j'aime bien ça aussi. Ah, ouais, cette série, elle est vraiment belle. Hein. Là, avec tous les cadeaux. Bon, les chaussures, là, je suis pas trop fan. La montagne de cadeaux. Et le maquillage. Très sympa. Vraiment, je vais laisser sur le devant. Je vais sûrement m'en servir pour faire mon ACC du jour. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Hop, voilà. Donc j'ai ouvert un paquet, j'ai déjà regardé, donc je me suis dit, je vais pas faire genre de le remettre dans le paquet, c'est ridicule. Voilà. Donc là, nous avons Niji. Hein, un peu, hein, on dirait. Bon bah ça, vous savez, moi, tout ce qui est tasse, j'adore. Pâtisserie, tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, mon côté, ça, j'adore vraiment. C'est vraiment joli. On dirait presque qu'il y a du feu, mais non, c'est juste la fumée de la chaleur. Fumée de la chaleur, oui. La fumée du chocolat chaud, quoi, du cappuccino. Là, la maison, alors ça. Imaginez passer un Noël là, mais pas tout seul, hein, en fait. Hein, pas genre film d'horreur. Hein. Perdu dans les bois, attaqué par des créatures. Non, merci. Non, non, mais là, un petit truc bien chaleureux et tout. Ouais, ça doit être vraiment, vraiment sympa de passer un Noël là. Alors là, c'est à l'envers. Alors là, les trucs de présentation comme ça, je trouve que c'est surtout en Angleterre qu'il y a ça. Nous, on n'a pas trop ça en France. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas un serviteur, c'est un. Je sais plus, il y a ça un nom. Donc voilà, bon, bah écoutez, le thé, la pâtisserie, la neige, la campagne. Ben voilà, que voulez-vous de plus? Là, on n'a qu'une envie, c'est de se poser là. Alors, on prend le plateau, on le met là et on se pose là et on est bien. Et j'imagine devant là, par ici, qu'il doit y avoir un feu de cheminée. Oh là là. Bon bah voilà, il est là le feu de cheminée. Là, il y a un peu plus de rouge, c'est plus sympa. Voilà. Et ça recommence. Voilà, il y est en deux fois. Donc c'est pas plus mal qu'il soit en deux fois parce que bah des fois. Quand on l'a qu'une fois, on se dit, ah, je ne sais pas si vraiment je vais l'utiliser dans cette création-là. Mais là, j'essaye en ce moment, enfin ces derniers temps, de me booster un peu et de pas trop me freiner, me dire, bah non, je ne vais pas utiliser. Mais bah cocotte, pourquoi tu n'utilises pas? Tu en as 3 milliards. Faut utiliser, quoi. Enfin, c'est ça. Je me dis, c'est débile. C'est une réflexion débile. Alors là, dans celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas, je me rappelle plus si c'est en double ou pas. Je les ai pas encore ouverts.
Mais les motifs me plaisaient vraiment beaucoup. Ça fait un Noël ancien. J'aime bien. Alors, nous avons l'horloge en attendant minuit que le Père Noël passe. Là, le I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah, oh, bah voilà, bah voilà. Bah voilà. Et voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Il est beau. Il est trop, trop beau. Ah oui, il est beau. Hein. C'est une belle représentation du Père Noël, comme j'aime. Ah bah. Ah bah voilà, on va faire un album avec ça, c'est sûr. La petite famille parfaite. Ah ouais, c'est joli comme tout. C'est des gros cadeaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de chocolat parce qu'ils vont fondre. Mais le Père Noël, il a apporté des gros gros cadeaux. Ah oui. C'est mieux qu'ils mettent au pied du sapin que devant la cheminée quand même. Même s'il descend par la cheminée, c'est quand même mieux. Oh là là, oh là là. Oh là là. Hein? Oh là là. Oh, la maison est belle. La fameuse camionnette là. Oh, j'en prends plein les mirettes. Les 13 desserts. Non, je sais que c'est pas tout à fait ça, les 13 desserts. C'est plus des fruits secs et tout. Imaginez 13 desserts comme ça. Oh, ça, faut les manger, hein, comme ça, les petites baies. C'est joli visuellement, mais je suis pas sûre que. Hein? Bon, ça, j'aime pas trop. On dirait des fois les yeux à Spinel. Spinel a des yeux de râleuse comme ça. Les cadeaux, bien évidemment. La petite famille parfaite qui vient vous chanter une petite comptine devant la porte. Ça, c'est joli, hein. Oh là là, mais il est magnifique ce. Les livres, les oiseaux. Et ça recommence. Ah non, ça recommence pas. Oui, si, ça recommence. Hop. Et après, ça recommence. Combien de fois? 1, 2, 3 fois. Bah, c'est parfait. Alors là, franchement, c'est nickel. 3 fois, c'est top, top. Hop. Donc ça va là. Ensuite, encore du rouge, bah évidemment. Un Noël sans rouge, c'est pas Noël. D'ailleurs, j'ai gardé ma tenue. Ma tenue du soir, là. Enfin, là, c'est plutôt du matin. Hop. Ensuite, je sais jamais où me les mettre, mes plastiques. Donc, on y va. Bon, là, il y a une couronne, une jolie fenêtre. Ah, c'est beau ça. La cabine de téléphone avec un sapin dedans. Les cadeaux. Le petit enfant. C'est bien parce que ils font un peu androgyne. On peut très bien dire que c'est une fille, mais on peut très bien dire que c'est un garçon aussi, vous voyez. Il y en a, ils diraient parce qu'il a ça, il y a des cheveux longs, bah, que c'est une fille, bah pas forcément. Enfin, c'est bien que ça peut être mixte. Le fameux train. Tiens, l'autre jour, on a regardé Pôle Nord Express ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Les cadeaux. Oh, c'est beau ça. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Le Père Noël. Oh, ça fait un peu lutin, c'est trop mignon. Ah, c'est chouette. C'est Père Noël un peu lutin. Hein. Moi, j'ai l'habitude que le Père Noël ici, il a. Mais bon, il change de vêtements des fois. Hein. Qu'il ait du blanc, là, de la moumoute. Ah, bonhomme de neige, il est beau. La maison. Oh, le sapin frisé. Un sapin frisé. Les cadeaux, les points de cétire, etc. Oh, le casse-noisette. Ouais, c'est joli aussi, hein. Le gros nœud et les décorations. J'allais dire la cloche en verre, mais non, ça n'a pas l'air d'être une cloche. Ça a l'air d'être plutôt
plutôt une jarre ou je sais pas. Oh. C'est une infusion de baies, hein, apparemment. Ça, c'est la grosse boîte aux lettres anglaise. Et on recommence aussi trois fois, il me semble. Hein. Ça doit être pareil, je pense. Souvent, c'est trois. Hein. Ou deux, je sais pas. La fenêtre. La couronne. Ah non, la couronne. Voilà. Hop. Et à la fin, ça doit être là, celle-là. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est joli, hein. Franchement, c'est très joli. Alors moi, je pense que vous verrez beaucoup de mini-albums ou des cartes, mais de ce format-là, du coup, je vais faire que ça s'adapte. Voilà. Vous voulez peut-être connaître la dimension, je vais vous donner ça. Et bim, j'ai fait tomber quelque chose, bien sûr. Donc, la dimension de toute la feuille, elle fait 21. Et la moitié, ça fait 10,5. Voilà, 21 sur 10, 10,5 là. Et ici, ça doit faire à peu près 10,5 aussi, je pense. Ah bon, pas du tout, ça fait 15. Voilà. Comme ça, vous connaissez un peu les dimensions. Et c'est pas pareil. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. On va partir dans un Noël un peu plus rose. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Faut que je prenne le temps. Donc, nous avons... Alors là, ça fait un peu plus conte, on dirait. Je sais pas, les couleurs m'inspirent un peu. Oh, c'est beau, hein. Vous me disiez, ça vous manquait le rose. Alors moi, j'ai du mal avec un Noël rose, hein, je vous avoue. Mais je me suis dit, en voyant ces papiers-là, je me suis dit, ça pourrait peut-être me réconcilier avec les Noël roses. Et il est trop beau. Hein. Je vais vous faire un petit album Noël rose. La tête. Oh là là, c'est beau comme tout. Mais des fois, le ciel, il est un peu comme ça, certaines, le soir, quand le soleil se couche. Oh, les bichettes! Bah oui, c'est joli. Ça fait limite fleur de cerisier. Hein. Limite, limite. Hop, et bah il vient en deux fois. Bon, bah ça va. Faire un tout petit album, ça peut le faire parce que. Ouais, deux fois c'est bien. Deux fois, si on en met trop, bah trop c'est trop. Pas assez, c'est pas assez. C'est intelligent ce que je raconte. Hein. Vraiment, c'est très intelligent. On va en prendre un autre qui m'a l'air d'être un kit, il me semble. Parce que derrière, on voit des autocollants. Et après, il y a un kit aussi. Elle est où l'ouverture? Bah alors, je suis bigleuse. Allez, devant. Alors, ça, on va le pousser. On a... Oh, c'est sympa. Oh, c'est trop mignon. Ça fait un peu un Noël un peu ancien comme Heidi, vous voyez, un peu vieillot. Alors, on y va? Donc, bah oui, c'est ça, les papiers. Les autocollants qu'on a là, à mon avis, doivent rappeler les images qu'on a ici. Puisque déjà, ces deux images-là, c'est ces deux-là. Donc, voilà. Mais en grand, c'est beau. Ah bah... Il y a en plusieurs fois. Ok, bah, il y a en deux fois. Deux fois tout de suite. Des fois, c'est la série, après la série, la série. Là, c'est tout de suite les deux exemplaires. Oh, c'est sympa les couleurs. Très joli. Donc, deux fois aussi, j'imagine. C'est ça. Là, c'est la nuit. Ça fait un petit peu peur, mais c'est très joli. Sympa, ça. Moi, je faut vraiment, vraiment, vraiment que j'ai pas le choix hein, pour aller dans la forêt comme ça la nuit. Ah non, j'ai chocotte moi. Hein. Grave. L'oiseau, il est beau. Il est beau. Oh, c'est beau ça. Je trouve c'est magnifique. Les couleurs, les dessins, vous voyez, un petit peu. Ombré, tout ça, c'est joli.
Ah, oh, Minette, tu fais du patin. Ah, le petit village. Alors, j'imagine le petit village comme ça. Et le chalet que je vous ai montré tout à l'heure, un peu retiré. Un Noël, comme dans les rêves, quoi. Un Noël. Un vrai Noël, vous voyez. Oui, un village comme ça. Ça ressemble un petit peu à Strasbourg quand même. Hein, si Strasbourg n'était pas aussi commerçant qu'il a été là, dans la petite France, là, le coin de la petite France. Ça ressemble quand même. Hein. Hop. C'est très très joli. Ah, c'est très poétique là, la petite qui vient nourrir les oiseaux. Ou l'oiseau qui vient voir la petite, hein, je sais pas. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup ce papier. Ça, c'est mamie quand elle était petite. Avec les cheveux frisés, bouclés là. Bah, ça, c'est chez mamie, ça en plus. Oh, c'est beau ça. Très très beau ce papier. Très joli. Franchement, très joli. Gros coup de cœur pour ce papier. Alors que je pensais pas que ce soit plus celui-là. Mais vraiment, gros gros coup de cœur pour ce papier. Bon, après les autocollants, je les utiliserai peut-être davantage sur une ACC que sur une créa. Quoique sur une carte, ça peut le faire. Et celui-là, qui est dans un autre style. Mais à mon avis, ça va vous plaire aussi. C'est plus contemporain, ça, on dirait. Et voyez, c'est un kit, il y a des autocollants derrière. Hop. Donc, ça, c'est magnifique. Ah bah tiens, pour le défi, jolie table. Bah voilà, j'ai mon truc de prêt. Eh bah écoutez, faut penser au défi, hein. Ah ouais, faut que je le garde. Oh, j'aime trop. Oh, c'est joli ça aussi. Oh, j'ai même pas par le. Oh là là, et il est magnifique ce papier-là. Je le sens. Waouh. Une grande feuille comme ça avec la guirlande, j'aime beaucoup. Ah, c'est chouette. Ah, j'aime trop. Ah, je suis amoureuse. Ça y est. Oh là là, les pommes de pin et tout. C'est très joli, c'est très 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 joli. Hein. On dirait presque des photos, ça doit être fait en intelligence artificielle, je crois. Hein. Des fois, les trucs comme ça. Bon, j'ai pas l'œil vraiment d'une experte, mais il y a des trucs un peu, des fois, ça ressemble trop à des photos, quoi. J'adore. Alors là, j'adore. Là, les couleurs, là, vraiment, ça, c'est ce que j'ai envie de faire à Noël cette année. Hein. Peut-être avec quelques petites touches de rouge parce que le rouge, c'est inévitable. Hein. J'adore ça. J'aime trop les grandes feuilles comme ça. Oh là là, mais non, mais c'est pas vrai. J'adore. Mais je sais même pas par quelle collection je vais commencer à vous faire une création. Oh, celle-ci, elle est magnifique aussi. Hein. Oui. Je valide. Je valide les pommes de pin, la toile. Tout ce que j'aime. Hein, franchement, tout ce que j'aime. La toile de jute, la corde, les pommes de pin. Il manque plus quelques trucs de cannelle, des oranges et ce serait parfait. Ah, oh, les gentils nous ramènent un sapin. Ah, c'est moi, moi et moi. Coco, Rose Bonbon Coco et Corinne. Oh, oh là là, ouh. Avec la dentelle et tout, ça rend bien. Oh, c'est chouette. Ouh là. Faut arrêter là. S'il vous plaît, faut arrêter. Je ne vais pas. Oh, je suis trop contente d'avoir pris ce papier. Vraiment. Ça aussi, c'est sympa. Ça peut faire un très joli fond. Je ne vais pas m'éterniser 2 heures dessus. Et là, bah là, j'adore. Bah là, pour les ACC, bah que. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, monsieur, viens. Viens avec tes cadeaux et ton sapin. Non, je rigole. Je rigole. Ah, sympa, vraiment vraiment très chouette, très très chouette. Pourquoi j'ai mis à l'envers, je ne sais pas. Ah, parce qu'elle a été en là, les pommes de pin et tout. Bah, il y en a une à l'endroit, une à l'envers. Oh, c'est trop mignon, trop trop beau. Les couleurs, vraiment, c'est ce que j'adore. Et bah, il y a du boulot, ma cocotte. Il y a du boulot. Bah écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté ces papiers là parce que je les aime beaucoup 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 beaucoup, hein.
On va pas se mentir. Là, vous allez sûrement voir des ACC avec ces papiers-là. Oh, c'est chouette. Je suis trop contente, je suis trop contente. Je vais poser un arrêt, je vais poser un arrêt maladie pour faire des cartes. Pour faire des cartes, des albums, des créations diverses et variées. Ah non, je suis trop contente. Pourquoi ça s'est débranché? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai débranché ça? Je ne sais pas. Voilà. Bref, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Allez voir sur Temu, il y a encore temps de les recevoir. Alors pour les liens, franchement, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Il y a des trucs. Puis moi, je saute un peu sur les promos, les machins. Je regarde souvent et je mets dans mon panier, j'enlève, je remets, je valide, je dévalide. Et voilà, après, c'est. Faut y aller assez régulièrement, voilà. Je ne dis pas y aller tous les jours, hein, faut pas abuser, mais y aller assez régulièrement pour voir ce qu'ils proposent. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous en aurez pris plein les mirettes aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.